In the world of international sailing, there are many epic races, but just one that celebrates the proud heritage of two nations. A race of international competitors in a fleet made up of some of the planet's most extreme racing machines. C'est une course très unique. And over 5,000 kilometers of some of the most difficult conditions, where some of the world's most breathtaking scenery ce qu'on veut, c'est du combat, c'est du fight. Gives way to unforgiving ocean. Testing mind and machine against the elements. Il fait froid, la mer est dure. And risking it all for the chance to win. C'était intense tout le temps. This is the Transat Quebec Saint-Malo. Situated on the banks of the St. Lawrence River, Quebec City is the cultural heart of French-speaking Canada. Taking place every 4 years, the Transat celebrates the historic link between Quebec City, Canada, and Saint-Malo, France. And in doing so, it attracts some of the biggest names in world sailing, drawn to compete in one of the most unique yacht races in the world. One team who will be expecting to perform well here are St. Malo locals, Solidaire Peloton. Une des épreuves du Grand Chelem, des courses océaniques, donc il y a la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Transat anglaise et il y a la Québec Saint-Malo. Et en plus, qui est rythmée par plusieurs moments clés et c'est quasiment plusieurs courses dans la même course. Donc il y a le Saint-Laurent qui est un terrain de jeu qui est unique. Avoir autant de longueur dans un fleuve avec un terrain qui est borné, du vent shifty, du courant très fort. Et il y a aussi le problème du bois qui flotte et des animaux. Il faut faire très attention. On va retrouver du froid, du vent fort, du courant fort aussi avec le Gulf Stream. Donc la course, elle est vraiment finie et que lorsque la ligne d'arrivée est franchie. Pushing the French team to the limit will be Spanish entry Thales too. La Quebec Saint-Malo, c'est l'aboutissement d'une saison ici en Amérique. Donc c'est tout logique de remonter jusqu'au Québec pour faire la Transat Quebec Saint-Malo, qui est une des grandes courses au large au monde. La concurrence est très importante, donc être dans les podiums, ça ne serait pas un mauvais résultat. Mais bon, on ne cache pas nos ambitions, qui sont de gagner la régate. Ouais. And facing them both is a British skipper with a history of winning on the big stage. Le Transat Quebec Saint-Malo, c'est un parcours très intéressant, je pense, très fun. Il faut vraiment faire un bon choix de tactique aussi au début de la course à Saint-Laurent, parce que je pense que le premier de sortir dans l'océan Atlantique va être peut-être le premier de finir à Saint-Malo. The course of over 5,000 kilometers is unique in the yachting world. The fleet will sail over 700 kilometers along the St. Lawrence and must navigate around 5 strategic markers en route. At the town of Lévis, situated on the south shore of the St. Lawrence, they will cross the start line. Then they will sail to Rimouski, Matane, Gaspé, and finally a rounding of the famous Percée Rock. After that, there's 4,600 kilometers of tough North Atlantic sailing before arriving into St. Malo. Comprised of 3 main classes and an open class, the largest are the Ultimates. Huge multi-hulls, the fastest, most powerful boats in the world, and here to break records. Next, the Multi-50s. 50-foot multi-hull racing machines. Fast, agile, and seriously competitive. Last but not least, 19 Class 40s. 40-foot monohulls designed for performance ocean racing. 2016 sees the 9th edition of the race, the first taking place in 1984. In the last 3 decades, hundreds of sailors have taken on this challenge. But it's French sailing legend Loïc Perron who holds the course record set in 1996 aboard Trimaran Fujicolor 2. With the caliber of competition this year, the Frenchman's record is looking under threat. The arrival of one entrant hasn't failed to make an impression. Spindrift 2 is a colossal 130 feet of carbon fiber racing muscle.
that currently holds the Jules Verne trophy, circumnavigating the world in just 45 days. But sailing the open ocean is quite unlike the challenge here. Racing a huge multi-hull along the St. Lawrence is fraught with danger. And even with 14 crew aboard, the task of guiding the boat safely falls to just one man. Spin Reef 2, c'est le plus grand trimaran de course au monde. Il fait plus de 40 mètres de long. On a un tirant d'air d'environ 45 mètres, plus de 20 tonnes, avec 14 équipiers à bord. Donc c'est une très très grosse machine. Et quand on arrive à exploiter tout son potentiel, c'est juste époustouflant. Donc là, on est à deux jours du départ de la Transat Québec-Saint-Malo. On est très excités, c'est la première fois qu'on vient participer ici, avec une mission délicate qui sera de naviguer dans le Saint-Laurent, qui est un fleuve très compliqué pour un gros bateau comme le nôtre. Il faut savoir qu'un bateau à voile ne peut pas naviguer dans la direction du vent. C'est pour ça que naviguer ici, ça va être très compliqué, parce qu'on sait que le vent, grosso modo, il est parallèle. Donc ça veut dire pour nous énormément de manœuvres. On va tirer un débord qui peut sembler un petit peu bizarre sur la carte, mais on peut vraiment pas aller tout droit, ou alors on y passerait une semaine. Sailing the most powerful boat ever to take part in the race, an opportunity to make history, will never be far from their minds. Le record, c'est vrai qu'il date un petit peu, donc on va tout faire pour le battre, si les conditions météo le permettent. Le record, il est en plus de 7 jours et 20 heures, je crois. Et nous, avec des conditions idéales, on peut le battre. On a un bateau qui est bien plus performant. On a un équipage aguerri, donc toutes les conditions sont réunies pour le battre. Large by general standards, but dwarfed by the enormous Ultimates, the Multi-50 fleet faced the same dangers navigating the river. Skipper of race favorite Arkema knows he too will have to be vigilant. Un fleuve, c'est beaucoup de courant, c'est beaucoup de bancs, donc de bancs de sable qui bougent dans le fleuve. C'est des particularités liées au relief, donc la montagne, les îles. Voilà, donc c'est un plan d'eau extrêmement technique, pas toujours très simple à gérer techniquement, donc sur l'eau, en termes de vitesse, en termes de positionnement, en termes donc de gestion du courant, qui est extrêmement important ici. But before reaching the finish, there's a lot of work to be done. The French skipper is quite clear about his reasons for coming here. Québec Saint-Malo, comme The Transat, est pour nous est un objectif de saison. Donc c'est une course à laquelle on participe. Donc à partir du moment où on engage notre bateau, donc Arkema, et nous le team Lalou Multi, donc aux côtés d'Arkema, donc dans une course, on y va pour figurer au mieux, voir la gagner. Although the larger boats will always finish first, every class is competing for their individual title. Ensuring your boat is as fast as possible is key, but the ocean is an unforgiving place. And it's one man's job to ensure that in the quest for speed, safety is not overlooked. Les contrôleurs font la tournée des bateaux pour s'assurer que tout l'équipement de sécurité est à bord et est fonctionnel. Nous faisons le contrôle pour des raisons de sécurité. C'est très important pour s'assurer que, advenant qu'il y ait un problème, que chacun des bateaux ait tout l'équipement nécessaire pour réussir à passer à travers une urgence. S'ils devaient abandonner le navire, qu'il y ait un radeau de survie, qu'ils aient aussi tout l'équipement de sécurité, les fusées, les radios, les balises, et que tout ça soit évidemment fonctionnel. C'est la seule course internationale de voile qu'il y a au Canada et nous sommes très, très fiers de pouvoir recevoir à tous les quatre ans la flotte ici. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir tous ces gens-là et de leur faire découvrir le Québec et tous ses attraits. Once safety has been addressed, winning this race depends on a great crew with good tactics. One skipper believes she has a strong formula. Alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup d'équipage mixte sur cette course, on est deux. Il y a deux skippers féminins en classe 40. Et je pense que ça représente un atout pour nous parce que en tant que femme, j'ai une façon de naviguer qui est certes différente de celle des hommes. Je vais beaucoup anticiper, je suis très organisée, je fais les choses aussi au feeling. Je fais beaucoup confiance dans mon feeling.
J'essaie de bien respecter mon bateau, c'est vraiment important. J'ai pas toujours un mode agressif, et pourtant ça marche aussi, quoi. Et donc voilà, avec deux gaillards avec moi, eh bien on va se compléter. Moi je suis persuadée qu'un équipage mixte est quelque part plus complet qu'un équipage masculin. Si on gagnait cette course, je serais extrêmement fière de pouvoir dire que la mixité, c'est vraiment un gage de performance. With departure less than 24 hours away, the sailors have one last evening to let their hair down and soak up the Québécois hospitality. Tomorrow brings the race start, and with it, a host of new challenges. It's departure day for the crews of the Transat Québec-Saint-Malo, and a few nerves are on display. With their boats ready, all that remains is a final weather, tide and course briefing. Then it's down to the sailors. Down on the dock, family and friends say their goodbyes as the crews prepare to leave. On est au taquet, comme on dit. Le bateau, il est prêt à partir. Les équipiers sont hyper, hyper motivé. C'est incroyable, il y a beaucoup d'énergie ici avec tous les skippers. C'est sûr, là je commence à être bien excité. On est prêt à partir, on est vraiment très excité pour le départ. After a fast start, the fleet are making good progress. But the pace begins to slow as the wind dies out. Regardez le jeu avec les copains. On a le sourire parce que ça se passe pas trop mal, hein. Faut en profiter. Only 7 hours into the race, and the fleet comes to an abrupt halt. Well, it's 9 o'clock and the breeze has just shut down. In fact, the tide has turned against us, so we've actually had to anchor. And everyone's anchored around us. No one's moving over the ground. And that is Solidaire, just there. And then just behind us over there is Isabel on Generali. But it's incredible, everyone is literally just ended up within a few hundred meters of each other. And the Spanish, who are the leaders, are literally just there. 15 hours later, the fleet are finally underway and past their first waypoint. Rimouski and Matane are two strategic towns the fleet must pass along the river. And here we have a multi-. With the fleet relatively compressed, spirits are high, and boat speed is good. Leading since passing Matane, Multi 50 Arkema are enjoying life at the head of the pack. Bah écoute, on arrive en Gaspésie, bah tiens, il y a Karine qui est là, qui vient d'envoyer 2-3 photos à sa fille. Bah, tu vois, elle est reposée, elle vient de se taper 4 heures de. 4 heures de sieste. Hein, en, bon, 48 heures, en 48 heures, elle n'est pas beaucoup dormie depuis le départ. Oh, la terre que tu vois là, c'est Gaspé, moi je connais pas. C'est une région de la Gaspésie. La Gaspésie, quoi. Hein. Il paraît que c'est très 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 beau et nous on va aller chercher une bouée qui est derrière la petite falaise. But rounding the cape over 20 kilometers ahead of the nearest boat, the tricky St. Lawrence takes command and the crew are left searching for wind. But life in the slow lane does provide a chance to meet the local wildlife. On est entouré de baleines, on entend des souffles de partout. Behind the Maltese, the Class 40s are making good progress. We are literally just about to converge with the coast, and it's a pretty nice day. We're going downwind. We've got the spinnaker up,
And the good thing about it is that we are now in the lead. So there is the Spanish boat over there, who was out in front. And then we have Thibaut, our rival, somewhere back there behind us. And for the moment, Thibaut and his crew on Solidar and Peloton are happy to chase. Bon, petit regroupement là, à la pointe de la baie de Gaspé. Il y a de la molle. Pour le coup, on est content. Regarde, la liste est déposée là. Et on va repartir pour un 12e nouveau départ en deux jours. But as day turns to night, they're soon faced with the same light breeze, and the fleet once again compress. Donc là, on est dans la baie de Gaspé. Il se passe encore des choses. Bon, on est content, il y a du vent. Il y a des otaries, il y a des baleines, et il y a un paysage qui est absolument magnifique quand même, je dois dire. As the class 40s make their way to Percey, hours earlier the multi 50s passed the famous landmark and turned east, headed for open ocean. With most of the fleet rounding Percey, back in Quebec City, one class are just preparing to leave. On est très content d'être venu à Québec. On a été super bien accueillis ici et d'avoir amené ce bateau de légende, le plus grand multicoque au monde, ici dans cette ville pour cette course magique. Voilà, on est très enthousiaste d'y aller. But sailing the biggest multi-hull in the world brings with it serious concerns. The crew aren't taking any chances. Alors les craintes, il y en a plusieurs parce que le parcours et la sortie du Saint-Laurent, et c'est très très serré. Pour un bateau aussi grand que celui-ci, on ne va pas mener la machine à son potentiel maximum et puis on accélérera gentiment une fois qu'on sera sorti du Saint-Laurent. Powering off the start line, the potential of the massive trimaran is clear. Perron's 1996 record is looking fragile. It's day four at sea for the leaders of the Transat Quebec Saint-Malo. With the calm river conditions behind them, life on the ocean is an entirely new experience. Well, we're screaming along towards the island of Saint-Pierre, averaging about 13, 14 knots. It's wet, windy. These are the conditions we'll be waiting for. And we're going to be there in about 3 hours. 1 mile to the south, Solidar and Peloton are within touching reach of Black Pepper. Armel Tripon and his crew are not only fighting Solidar, but having a healthy battle with Generali. Passing Saint-Pierre, the fleet remains tight, but the Spanish crew of Thales II make use of good boat speed and jump into the lead. That'll be good conditions. Despite the class 40s making good progress into the Atlantic, fast approaching from the rear, the massive Spindrift is already looking to pass. About an hour ago we went past the Saint-Pierre Miquelon Island. We went between the two and there was quite a big canalization of the wind, and we had 40 knots of wind for a little while. And we had a slow start, but we're making good progress now across the Atlantic and still hoping to get the record in 4 or 5 days' time. Spindrift passes the Class 40 fleet with ease, travelling on average over twice the speed of the smaller monohulls. Next in their sights, the multi-50s, and of course the record waiting in St. Malo. Over 1,000 kilometres ahead, Arkema's making fast progress, the multi-50 reveling in the strong North Atlantic breeze. For the multis with less than 1,000 kilometres to go, it's the final dash for the finish. But back in the heart of the Atlantic is a different story for Phil Sharp aboard Imerys. Here we are down below on Imerys. We're currently fighting a massive problem in that we don't have a big spinnaker anymore. The whole thing ripped into two pieces. We've now got it down below. It's looking more like a sail repair factory than a cabin. We're working around the clock to get it fixed.
It's not an easy task though. There's a huge amount of work to do. We've got to try and get it going, get it back up the mast and reclaiming positions. As the loss of the sail severely slows Imerys, for Solidar and Peloton chasing Thales too, speed is not an issue. Alors, nous on est comment? Le bleu. Le bleu. Alors, sur la dernière heure, 13 nœuds et demi pour 121. Ouais, pas mal. Cool. Pas mal, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Bon score. Attention, les poursuivants. Stellanova. 13-2-2 au 122. Comment? Et devant, qu'est-ce que ça donne? Thales, 14-7 au 126. La suite au prochain épisode. And approaching the European continental shelf, the fleet has a chance to show off some of the speed the Class 40 was built for. Ahead, after only 5.5 days at sea, Spindrift 2 not only catches up, but accelerates past the slower multi-hulls, setting themselves up for a record-breaking arrival into St. Malo. Their time of only 6 days, 1 hour and 17 minutes smashes the course record by almost 2 days. It's a sweet moment for co-skipper Yann Guichard. Yeah, on est vraiment super content de ce temps-là. On l'imaginait un petit peu au départ, on savait qu'on allait faire en dessous de 7 jours. Mais la descendre à 6 jours, c'est assez incroyable. Toute l'équipe a fait un super boulot et moi j'avais participé en 2004 à cette transat. Malheureusement, j'avais dû abandonner au milieu de l'Atlantique. Et donc là, de la finir et en plus battre leur record, c'est génial. And as daylight breaks on St. Malo, another fleet has arrived in the city. No records this year for the multi-50s, but a very content class winner. KVX Malo, ça a toujours été une course assez extraordinaire parce que c'est de l'équipage, parce que c'est l'Atlantique au portant. Donc des conditions extraordinaires pour nos bateaux, donc pour nos multicoques. Et là, ça a été encore une édition incroyable avec un départ musclé. And 2 days later, after fending off the rest of the fleet, Gonzalo Botín's Spanish crew aboard Thales 2 lead the Class 40s towards the finish line. Not far behind, Generali and Arundel close out the podium spots. And in fourth place, crowds flock to welcome local favourites, Solidar and Peloton. C'était très bien pour nous, évidemment, on a gagné, donc on ne peut pas dire que c'était autre chose. Ça a été une vraie course au contact. C'est seulement avant-hier qu'on a pu décrocher les autres bateaux. Et c'était un petit peu une chance de la météo, quoi, parce qu'on était sur de l'autre côté d'un nuage et on est ressorti dans un autre système. C'est pour ça qu'on était avant-hier, on était beaucoup plus rapide que les autres. Ce n'était pas parce qu'on était beaucoup plus rapide que les autres, c'est simplement parce qu'on était dans beaucoup plus de vent et avec un meilleur angle. Ouais, c'est un super résultat. C'est vrai que cette deuxième place, pour nous, c'est un peu une victoire parce que... Voilà, on partait pas avec le meilleur bateau. Au niveau du potentiel, on se situait plutôt à 7e place. Devant nous, on a un bateau qui allait extrêmement vite, au portant, qui a pris beaucoup d'avance. Mais tous les autres, on a réussi à les doubler, à les battre. On y croyait et on l'a concrétisé. On est vraiment super fiers de nous. L'expérience de cette course, elle est juste incroyable. La Québec Saint-Malo, elle est unique. C'est une transatlantique en équipage. Ça fait des années que je veux la faire. Enfin, je l'ai faite. Bon, allez. Je suis quatrième. C'est la mauvaise place sur un classement, mais le bilan, il est que... Quel plaisir, quoi. Ouais, à l'arrivée, là, l'intensité, ou la dernière heure, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. On a perdu le match, mais au final, on ressort avec une intensité vécue qui est extraordinaire. Donc forcément, la Québec-Saint-Malo, on va y revenir. C'est obligé. And arriving in a few hours later, a very tired Phil Sharp is content with 7th place. Oui, c'était une course dure, on est 3, donc il y avait des problèmes techniques avec le bateau. Et il faut fixer, donc on est assez fatigué. L'arrivée, c'était compliqué pour nous et on a perdu
beaucoup de place juste le séjour. De ce matin, on était 2002e. On a récupéré des positions, mais oui, c'était vraiment une troisième course de la Québec-Saint-Malo. Il y avait le Saint-Laurent, l'Atlantique et la Manche. It's clear the 2016 edition of the Transat Quebec Saint-Malo has proven a huge success. Once again, not only strengthening the cultural links between old and new, but enjoying international participation from some of the best boats and talent in the sport of sailing. With the Ultimates and Open Class won by single entries, the multi-50 fleet standings hardly give justice to what was an extremely tight contest. In the Class 40s, Gonzalo Botín's Thales II took the win, but the racing was of the highest caliber and the fleet were very closely matched. In 4 years' time, 2020 will herald the 10th edition of the race and what is bound to be the biggest, most exciting edition yet.